Hello, bienvenue sur les chaînes de Fire, nous continuons encore et toujours Resident Evil 3. J'ai fait un petit ménage dans mon inventaire, sinon nous attaquons les sortes d'égouts, enfin les sortes d'égouts, rames de métro, après le petit... Après le petit kamikaze du chef de l'USBC. Non mais j'y crois pas. Et puis je vais me faire shine en plus. Non. Oui. Non. Non. Allez hop. On reprend une vidéo, on fait une mort ou un coup systématiquement. C'est la règle. Il y a des trucs à flipper. C'est encore un combat contre le tyran, c'est un truc de malade. Tout le jeu, c'est comme ça, en fait. Le clochet. Bien quelques munitions planquées là, non? Sur les bancs? Ah, une petite plante verte. Quoi, il est sur le pont, sur l'horloge. C'est vraiment notre tour, c'est enfin encore un combat de boss. Ouais. Ah, il nous suit en fait, d'accord. Il sait même pas nager. Oh, comment ça juge. Hé, hey, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. Mon petit Carlos. On a échoué. Train déraillé. Déraillé? Il y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde! Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis! Quoi? Quelle surprise! Non mais je rêve! Il revient! Qu'est-ce que ça fout au milieu du pont, ça? Yit! À la volte la fenêtre comme si c'était Dead by Daylight. Pas ce qu'il faut viser, mais je tire. Complètement raté ma grenade. Il
C'était la grenade que je voulais balancer. Putain, j'ai foiré. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. D'arrêter. Il y a un truc à péter, non? Un baril? Il est sauté où ce con? Il vous a fait un jump là, mais laisse tomber. Solide. Oh, y a pas des grenades dans le coin. Caisse, mine. Ah, y a des mines. Ah putain, y a des mines. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on l'arrête. Aïe, aïe, aïe. Ah mais elles explosent au bout d'un moment les mines. Oh c'est nul à chier. Ça tient pas du tout la cadence. Trop tôt. J'ai esquivé trop tôt. Ah là c'était bien. Kekos. Ah merde. Je vais te dégommer. Le problème c'est que j'ai que du 9 mm moi donc sérieux quoi. J'arrive pas ce truc. Je peux pas esquiver 100% du temps. Faut vraiment que je regarde où est-ce qu'il y a des... Il y a une caisse et une plante rouge. Non mais je vais quand même pas le finir au couteau quoi. Oh, c'est dur, dur. Oh, puis tout ça pour me donner une plante. C'était quoi, cartouche 2? J'ai pas eu le temps de dire. Non, sérieux, une munition, y'a plus rien, quoi. Je fais comment pour tuer? Vraie question, hein. Je fais comment? Il me reste une balle. Ah, c'était les cartouches de fusil à pompe que j'ai trouvé.
C'était Just. Enfin une scène cinématique qui représente réellement le combat. Carlos, toi qui spam les grenades contre lui. Ce truc me lâche maintenant. Chier. Ah, j'avais trouvé des balles aussi de 9 mm. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Il va lui faire des choses pas très catholiques. Toujours qu'il y a un Wesker-like, hein, j'appelle ça. Un big bad guy. Hein. Jill ! Dans le 2, ils avaient évité ça, c'était Umbrella. Mais c'était pas... Parle-moi ! Le mal n'était pas personnifié. Merde. 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 Tu m'entends? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Barb pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Ah, enfin, changement de décor, un hôpital. Tiens, ça présente quand même... Enfin, ça ressemble énormément au labo. Je vais te le trouver, ce vaccin. Alors, on va jouer plus Carlos maintenant. Je te le promets. On a gardé... Ouais, on a gardé notre... Nos équipements de Carlos. RL, tu sais où est Barb? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. De crochet de Jim. Ce que j'avoue que ce serait plutôt utile. Ah, une chaîne. Pas de grenade. Bon, bah à l'ancienne, hein. Le couteau sert vraiment à rien dans le jeu, c'est un truc de malade. Pas du tout mort, hein.
Oh. Oh, Dios mio. On m'a abusé. Tout ce qu'il y a. J'aurais bien aimé avoir des grenades dans le vent. Une sorte de carte pour passer de ce côté. Ah. Okay, c'est fermé. Qu'est-ce que les gens sont maladroits ici? C'est vraiment le jumpscare bien cheapos, hein, celui qui tombe de l'escalier. C'est déjà 3-4 fois qu'ils nous font le coup. Putain, l'hôpital il est hachement grand. De la direction. La carte d'accès ne doit quitter l'hôpital sous aucun disque. Vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. La clé du vestiaire a disparu. Elle a peut-être fait tomber quelque part dans le cour. Dans la cour. Ici, il faut une... la clé. Clé que je n'ai pas. C'est Froome. C'est Froome. Faisons un bilan de l'inventaire. Je sens que je vais passer un petit moment dans l'hôpital en vrai.
peux descendre par là. Oh là là. Oh là là. Entre le système d'étage. On peut descendre par là aussi. Je vais essayer de passer par là d'abord. Il est arrivé à la cassette du docteur B qui a disparu. Son assistant derrière la prise, l'un des patients a vu à bosse retirer quelque chose d'un casier avant d'aller dans la salle de soins. Ok, donc alors il me faut des cartes, une clé. Donc, je disais, des cartes, une clé, une combinaison de coffre-fort aussi. Ça commence à faire beaucoup. Putain, ça servait à rien cette salle, t'es en train de me dire. Putain de chaud. Ok, bah je vais essayer de descendre parmi des fenêtres pétées là. Vu que tout le reste est soit fermé, soit j'ai pas la clé. Voilà. Elle est là, la fameuse clé. C'était fermé. Attends, je vais checker si j'ai bien fait toute la cour. Ah, donc l'autre c'est du bonus. J'ai bien fait de commencer par le fond pour avoir la clé. Non, là fallait une carte. Il va falloir que je m'améliore sur les jeux parce que je pue bien la merde, non? Attends, la clé c'est genre pour les casiers et les cadenas, hein. Faut que je sois mentalement prêt à balancer une grenade. Donc la clé elle sert. Oui, voilà, c'était ça. Pour la salle des infirmières. Ok, pas de réaction.
pas dans l'action. C'est quand je vais ramasser la carte, je suppose. Oh, chapeau. Un feu. Putain de merde, je me suis chié dessus. Un Fedora. Connard de Zombek. Oh non. Le chien ? Pire que le chien. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse ? Save. Parce que là, ces trucs-là me font très peur. Aussi aller dans la salle d'opération. Oh non. Il y en a plusieurs. Mais putain, mais comment on ouvre ces... On n'a pas le crochet avec Carlos. Non, non, non. Mais non, mais c'est complètement... Ah, mais on pouvait le faire. Oh, on peut le faire que dans un sens, vous êtes sérieux? Les gars, non. Ah, c'est de la merde. Je me suis fait chier à faire tout le tour exprès pour... Je pensais que c'était un truc à ramasser. Oula. Mauvais signe quand je vais générer à ce point. Très mauvais signe. J'ai perdu tout le personnel. La combinaison du coffre est 9 dans le sens des aiguilles d'une montre, donc droite, et 3 dans le sens inverse. Flash. Mais flash, tu t'en sers pour ainsi dire. Bah pas du tout. Je peux pas genre sortir d'avoir du monde, non.
m'attendais vraiment à ce que ça pète là. Docteur Barr, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix non identifiée. Voix non identifiée. On est dans un film de SF, quoi. C'est pour ça qu'il faut le lecteur cassette? Oh là là! Moi je pensais que c'était pour... C'était une preuve dont on avait besoin. Ou tout simplement... Ou tout simplement pour l'histoire du vaccin, là. Bon. Hein? Plus de choix, faut retourner voir les pas bouffes. Bon, moi je suis soigné, je sais que la carte, j'ai tout ouvert. Ici, c'est du personnel. Ah, mais c'est l'histoire du cadenas, j'ai pas le crochet moi. C'est à cause du crochet. Parce que j'ai le code de... J'ai le code du coffre maintenant. C'était 9 et 3. Trop débile. Voilà. Mais il y a la cassette, non? Eh ben non. À croire que quand tu bosses dans un hôpital, dans les objets trouvés, tu as des chargeurs. Tout va bien. Donc j'ai loupé quelque chose. Mais là, c'est Canna. Chercher une cassette audio. C'est quoi? C'est au premier... Entrée des urgences et... Oh putain, à tous les coups, c'est la cour, là, mes couilles. Hein. Non, c'est ça, ouais, c'était là. La première. Voilà, déjà, c'est ça, du coup. Non, non. Ah, donc ça, c'était le bonus. Oh merde, tu n'as le cul de revenir en arrière. Hein. Mais qu'est-ce qui me manque, alors? Est-ce que ça, c'est cool, c'est ouvert? Mais j'ai pas le cadenas. Dans la cour, il reste quelque chose? C'est toujours rouge? Non. Mais attends, la cour... Il y a une troisième fenêtre. Sur le côté ouest, il y a une troisième fenêtre. Ok, oui, ça on n'a pas fait exact. En espérant que ce soit pas que du bonus. Comment on va de l'autre côté là? Parce que j'y suis allé. J'ai pas le truc pour voir les cadenas. Comment on fait? Seigneur Dieu. Mais comment on accède à cette fenêtre là-bas? Du personnel. Ah mais y a... Putain, je peux pas ouvrir le cadenas.
Un gros cadenas jaune, je peux pas les ouvrir avec Carlos. Faire péter une grenade dessus, c'est quoi, hein? Parce qu'il y a que les cadenas qui me bloquent là en fait. Tout le reste est fouillé entièrement. La fenêtre qui me bloque, je peux pas. Ouais. J'ai toujours pas trouvé de cassette. Je repasse par la buanderie. Écoute, de toute façon, j'ai plus d'options. J'ai tout fouillé. Parce que ces deux-là, là. Comment on va. Ah putain, il y a une porte! Et elle est ouverte maintenant. Hein. Quantité de munitions pour cette merde, quoi. Ah, là, tout ce temps perdu. Moi, ça m'a l'air nostalgique. Oh, non. Putain, t'es sérieux? Oh là, j'ai foiré mes deux grenades, je suis une sourasse. Putain, le système de porte qui est nul à chier dans le jeu. Quoi. Non! Laisse-moi rentrer, Billy! Voilà, j'ai plus de munitions du tout. Oh ta mère. Et je sais toujours pas comment ouvrir ces foutus cadenas. Oh non. Non 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 non. Bon, j'ai cassette, je vous emmerde maintenant. Et je rentre à ma maison. Obligé. Voilà. Ouf, on a réussi. Ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Barr, bon sang. Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles. Bien sûr que j'ai des relations au placé. Évidemment que l'armée me consulte à propos de proches. Ah, petit Nathaniel. Bard. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu.
Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Tous des pourris. Tous des salauds, des salauds, des salauds. C'est pratique, il y en a juste assez pour une personne. Tyrell, je l'ai. Bien joué, je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais t'as vu l'état de la ville. Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Comment est-ce qu'on retourne, Virgil? Ouais, il y a une malle au milieu. Ah mais non! Pour les cadenas, j'imagine que c'est pour une autre campagne. Hein. Un peu à la... Un peu à la Léon versus Chris. Allez, on te donne le vaccin, Minette. Let's go. Mais... bombarder la ville. Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça
nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais mieux de m'équiper. Ils ont l'air sacrément nombreux. Et oui, le problème c'est que... niveau munitions... c'est un peu la méga loose. Hein. Autant lui, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux que je tue des grenades... des grenades. Que je tue des zombies avec des grenades flash. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ok, ça commence bien. Oh, what? La porte est en train de céder. Des munitions sur un côté. Oh non! Non! Une shit tonne de grenades, quoi. Je vais prendre juste une verte. Thank you.
qui laisse s'immerger une grenade. Non, j'ai esquivé le gros pour me jeter dans un zombie. Oh mais merde. Sérieux, je meurs comme ça. Putain. Chaud de la défense. Oh, faut tout recommencer. Oh le... Oh mais non, mais c'est quoi ce star? Tout à l'heure j'ai fait le même chemin et j'ai pas pris de morsure. Qu'est-ce que c'est que ce start de merde? Qu'est-ce que c'est que ce start de merde fait? Tu sais, dès qu'ils tombent, ils meurent, ils explosent, mais quand ils tombent à côté de moi, en fait, ils explosent pas, ils me remettent des coups. C'est ça. Très concentré, hein. C'est parce que... Non ! Oh, what ? C'est parce que j'ai appuyé sur l'espace très très vite ? Oh, foiré.
Alors mais merde, mais Carlos, ton rechargement il a mis une plombe et maintenant ça. Non, s'il te plaît, non. Non mais j'ai pas. Laisse-moi me soigner, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Oh là là. Ah, j'ai horreur de cette séquence, c'est un truc de fou. Non, 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 non. Mais j'ai esquivé, putain de ta mère. Si ça sert à rien, la touche d'espace, la mettez pas. Ok, j'ai plus qu'à faire le ménage. Ça sert contre les boss, à la limite, c'est tout. Ça va, tranquille, hein, j'ai connu plus belliqueux. C'est les flashs qu'on fait ça. J'avais pas tout ramassé, j'ai bien fait de revenir. Non, les munitions que j'ai pas ramassées. Ni mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Bah quelque part. Ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'il joue. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Moi qui pensais faire des rêves chelous des fois. Jill, t'es cassé dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre? Tess se lève, elle a déjà le lance-grenade dans le dos. Ah, j'ai bien dormi. Mode rafale. Alors, bien dormi? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Bon, merci Carlos. T'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la vie. Je
pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Moi aussi, parce que je suis policier. Hein. J'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Des trucs que j'ai pas ramassés. C'est rouge, j'ai une caisse, je la vois là. Attends, le mode rafale, il est différent de... Je vais me débarrasser du flingue. Tac. Ah non, encore des trucs à ramasser, c'est quoi ce délire? Merde, j'ai rien vu moi pourtant. J'ai checké les débris pourtant. Un coin là? Non. Bon, bah tant pis, on verra ça une autre fois. Allez, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était la chaîne de Fire. Bye!